J'ai écouté cette voix et en train de me parler. Alobina Yesu awapona banda ko expliquer au makambo. Na banda ko expliquer, j'étais en train d'écouter ce que cette voix est en train de m'expliquer. Abandi ko yebisanga ina ebisabatutu. Il revient bientôt, il s'appelle Jésus. Les gens doivent se repentir. Les gens doivent batambola na ko banga ye. C'est ce que cette voix était en train de me dire. Pendant que la voix était en train de me parler, la voix était tellement puissante. Il m'a dit, je m'appelle Jésus-Christ. Il faut dire à tout le monde de vouloir se repentir. Déesse, Azui, Amemi et Bembe, à moi, la moisi. Il y avait une fille qui était morte. Et maintenant, na moni troupe yabasa la nzambe belé. Troupe yabasa la nzambe ana nyonso. So ba ke pa sirène wana bazo bezeye na bague à l'attaque. Parce que la sirène la déesse détenait une bague. Bazo bezeye. Chaque homme de Dieu soyez à Fukami a bezeye. Il y avait une voix qui sortait du ciel. Cette voix commençait à parler. Il a commencé à me dire, tu vois, ebemba moi la moi sur wa nos hommes ebemba c'est l'église. Est-ce que oh mon ya kufi wa na lali wa na c'est l'église. À chaque fois que bazo sal la ba pacte na ba monde ya ténèbres, sache bien que bazo détruit l'église. Mais ma colère s'est levée. 2023, il y aura trois grands hommes de Dieu. Trois grands hommes de Dieu au ba kufa. Si nous voulons la paix en RDC, je parle à tout le monde. Si nous avons besoin que la paix règne en RDC, si vous avez besoin que notre pays ait à la très bien, parce que 2023, c'est une année bénie, mais c'est une année où il y aura beaucoup de sang, beaucoup de morts. Pour d'abord pour le pays et pour l'Est particulièrement, d'abord, il faut d'abord tout table dans le bangaï. Qu'est-ce que je voyais dans mon esprit? Le Seigneur m'a montré une autorité dans Mboka qui est générale à Zakota Estewana. Il est en train de collaborer avec nos ennemis. Notre président Félix, que les gens peuvent critiquer aujourd'hui, que les gens peuvent dire de n'importe quoi sur lui, on doit d'abord notifier dans nos têtes, il est une personne que Dieu lui-même a établie. Il est une personne que Dieu lui-même a choisi. Elle s'est permis un pasteur de faire la politique. La personne à cause de la prêt, il y a cause de n'importe quoi pour garder pouvoir. Mais comment on a, mon sein en Zambie, mon temps combattre la bampate. David était roi, n'est-ce pas? Mais il est aussi classé parmi les prophètes. Il est roi, il est classé parmi les prophètes. Il faisait la politique. Pourquoi dans nos églises, on a des partenaires de ministres? Tu vas voir un pasteur, il a un partenaire ministre et abatte la caille, abomba caille bien. Parce que tu sais très bien que derrière ces partenaires, tu auras l'argent. Maintenant, j'ai dit, papa chic, jusqu'à quand nos pays, la RDC doit être toujours gouvernée par les occultistes? Bonjour, bonsoir, et ça dépend de la RDC. Ça fait très très longtemps au tomonanité nazaki na congé maternité ngana bébé nanga bébé Nolan Mike Mkadishik tout va bien malgré ça qui moment ya pas si mais le Seigneur a salingolu tout yé sous komonana vraiment na pesi moyini nanga mbote moyini nanga bonjour moyini nanga bonsoir que mon Seigneur vous bénisse maman m'a pas ça aller qui juste pour na ko pesa ba feu le meilleur. Naba boné na enyonso ya chevis au télévision ou balanda nga partout dans le monde entier nga na mobali na ngai to pesi bino ba joyeux noël na misala na ba projet na ba faire na banda kuna bino donc toute la famille Mike Mukadishik et yé ko pesa bino ba joyeux noël joyeux noël joyeux noël na banda kuna bino na pesi pe na ba yini na nga ba joyeux noël mama m'a pas salinga rabino tellement Tikanzambalo la kanisela bino bana nangai mobali nanga
biso nyons ensemble ba joyeux Noël de côté Sanabino. Na bosani pété équipe mobimba ya Chebiso télévision, une grande équipe. Ya chaîne o ekoka na yo ekoka na ngai. Ba joyeux Noël na bino. Tika nzamba lola pambola bino. Maman mapasa, maman na bino. O bo mesana ko binga maman chérie. Apesi bino ba joyeux Noël. Yaya papa maman, frères et sœurs, ndeko bonne foi. Nga passé de la foi l'équipe. Sopé yaya pona ba misus, topé moi na pana yo maman. Topé pasteur son na koyo zala, topé évangéliste ko na yo. Na singina. Na yo kabina papa chic. Papa, nzambo sambila Yesu masiya na zaza zolo. Isa zolo kum seulement pourquoi? Po na pesa ki opportunité o pambola offerer pour nzamba kota ni kamuno na bana. Kuna ngai, oza kongole olinga kamboka o. Olinga kabana. Orphelina Fida ezobenga yo tango zimwa muke yo kolia yo kofete na bana kanisi la pepa mutu azana mutima mawa oya zana bozwi ate ya mukie tosunga orphelina fida na 1 dollar a pamba bana balia bala la bien bamela bien nzambe nanga ne ya yo apambola biso nyoso bana mukino mobimba to soutenir bana na kati ya orphelina fida na 1 dollar ya pamba nzambe ya kupambola yo ako songisi la yo ebele pona nini oye ko soutenir borfelin na 1 dollar na yo na 1 dollar na biso en tout cas eko liesa bana bitike po ba fete na décembre oyo orphelina vida baza na posa na biso ndenge bana biso ba vivre na ndako ndenge pe bana ya vida il faut ba vivre yo muto yo kaka parce que jusque là bato ma basilati 1 dollar seulement franc congolais zana mokaka 2000 francs pour la bosuta ba orphelin ba fete bonne année netikaka bana nyoso ko bazala wanda ko bakara ce qui te sangani bato ebele na ba 1 dollar na biso via bana wana ba kolongola na mutuna ba oki bazara na ba parente alors ce qui ozo pesa ipa ya bana nzambe récompense ni kozala ndenge nini orphelina vida bazana posa na biso orphelina vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike bongo lokola ba fete ya Noël na bonne année ekomi pembeni baza kosenga na bino oza na motema malamu motema bolingo motema bozambe opesikaka 1 dollar 1 dollar pour na ko permettre bana na biso ba orphelin ba fete pe lokola bana nyonso. Passer la babitoune bébé, Obama pota et l'ingaraté bat pas qu'elle est libosso. Ba blocage sur le pied, ba voyage, y'a ma problème financier, n'a ma pote bébé bat pas la raté. Soko poti, moi yo oba les ante, soko bali, moi yo bote les ante. Vous en a condamné par ma mari femme de nuit, vous en a problème, y'a stérilité surtout. La Bible nous dit dans le livre de Puissance 23:1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est temps où Jésus-Christ veut te libérer. Il est temps où Jésus-Christ veut t'affranchir. Na décembre oyo, ben na 2023, il faut mon alobo kwa nzambe. Ye barango bando ki famille na yo baleki nzambe na ngoyate. Église mon rêve, eza na commune Nyamatete, quartier Baoumou 1, numéro 10 JU, référence école Baoumou. Tu peux me contacter dans le numéro 00 243 82 429 14 41. C'était bien moi, votre humble servante, la prophétesse Dina. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Chez Bisou Télévision, chaîne Oyoui Kokanina Yo. Vous allez belé boko télé mission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo se ya Chebiso TV. Oui, madame, na mission na bino réponse à nos questions. Yende ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini mbote. Moyini bonjour, moyini na bonsoir. Mesdames messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à mon sponsor Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le sponsor numéro 1 de cette chaîne Chebiso Télévision. Un grand merci à toi, Chris, pour
la prise de vue. Du côté réalisation, je vois Djibo Solo et puis Elias. Un grand merci à maman Émilie Seti Mayinga depuis Canada pour l'initiative ONG Vida toujours l'Ikolo. Un grand merci à vous, maman Émilie Seti Mayinga Moisin Zambé, autrement appelée la femme. Babi, il y a peu ça qu'à t'as raté. Nous avons mon agneau sur ça là pour n'avoir habitué. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je reviens encore avec la prophétesse. Bouyebi est déjà Azaya qu'on présentait et puis na pesa comme on a été découvrir Kalaming était. Mais avant tout, je dis un grand merci na batutu amité amabe mbote na bino sika bozwami. Je sais que mouté amabe za don pour na bino mais ka se sengel bobongo na mité ma po Kalaming était Jésus-Christ soit koya. Balbi 2023 pour nanga eza année à bénédiction, année à élévation. Année où on zamba ko koti sanga na makambu susu ya ko kamwa bo sima munoko bo chama boko na mitube be mo mbalo ko tibanda ko nini akisite sponsor nanga Jésus-Christ nde ya zanga longo boko bo ka maladi boko kota na butu bo pumbwe bo yo lokime bo mo nanga te merci pe na ba o balinga kabiso ba sala biso confiance na chebiso télévision merci na bino ba o batala kabiso na ba province partout dans le monde zamba pambo na bino nde bo pona chebiso télévision je m'en vais dire bonjour à mon invité. Maman, je te dis bonjour. Bonjour, Papa Chic. Sangoni. Ouais, tout va bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Kambabisona Losambo, Yamboto Bande Mission. D'accord. Seigneur éternel, le Dieu des gloires, le Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour le souffle de vie. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, tu n'as pas permis qu'une mauvaise nouvelle puisse être notre partage. Nous te recommandons ces instants, Saint-Esprit, que tu sois notre Père, et que tu nous assistes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman prophétesse, lelo toyambio lisusu na chebiso télévision, message nini au memeli peuple de Dieu na mokolo lelo. Nzamba zolokum, que le Seigneur soit béni. J'ai quelques messages pour nzamba pisenga parce que mois de décembre, ça d'abord moi à prière. OK. Comme Dieu m'a dit mais Naza plus en état de prière pour la RDC. Mm. J'ai des messages que Dieu m'a donné pour le pays et j'ai aussi des messages que Dieu m'a donné pour l'église corps du Christ. Mm. Et j'ai aussi des messages que Dieu m'a donné pour les pasteurs. OK. J'aimerais d'abord commencer par le message de la RDC. Je peux commencer par ça. Depuis l'année avait commencé, je voyais pas mal de mauvaises choses. Mmh. C'est pour cela, c'est ce qui m'a poussé de vouloir entrer encore plonger dans la présence de Dieu. Mais beaucoup plus, je suis en train de voir, vous savez, pendant que toujours célébrer 2023, tous en la quête ça mais c'est que le diable est en train de préparer pour le pays de éviter. Mmh. Et moi j'étais là concentré à la présence de Dieu. L'Éternel était en train de me montrer des choses qui va se passer. Puis précisément, au Tozomonana Est, ce sont des choses qui sont plus spirituelles. Je me rappelle dans une émission que je t'ai passée, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais on doit faire quoi? Quelle est l'origine? Il y a qu'un mot qui est à la bienté. Papa Chic, on doit comprendre une chose. En RDC, nous sommes spécialistes à la prière. Okay. En tout cas, si on peut compter le pays dans le monde qui prie, on peut compter la RDC. Parce que tu vas voir... dans une avenue, il y a 4 églises, 5 églises. En tout cas, c'est un pays où les gens ont pris la décision de prier. Mais ce qui nous manque en RDC, c'est la crainte de Dieu. OK? En RDC, nous prions beaucoup. Mais on n'a pas trop la crainte de Dieu. Le premier message que Dieu m'a dit, pour d'abord pour le pays et pour l'Est particulièrement, d'abord, il faut d'abord tout table dans le bangaï. Okay. On doit d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Que ce soit des autorités, que ce soit tout le monde, les chrétiens, tout le monde. Si nous voulons la paix en RDC, je parle à tout le monde. Si nous avons besoin que la paix règne en RDC, si vous avez besoin que notre pays ait à la très bien, parce que 2023, c'est une année bénie, mais c'est une année où il y aura beaucoup de sang, beaucoup de morts. Je pense bien... accident au réseau salamabicolo. L'autre fois, je passais dans le plateau, j'étais en train de parler, qu'il y a un esprit, accident au bas de télé. Facilité. Surtout plus dans des provinces
il doit vraiment beaucoup prier. Alors, Dieu m'a dit premièrement, pour que la RDC Ezana Kimia, d'abord, les Congolais doivent marcher dans la crainte du Seigneur. Voilà. Les Congolais doivent obéir. En RDC, on a copié le mauvaise culture à Libanda, telle que franc-maçonnerie Zamakasi, homosexualité Kotimakasi. En RDC, on commençait à copier le phénomène showbiz. Parmi les choses qui est en train d'attirer la colère de Dieu en RDC. Voilà. C'est ce que j'ai dit, nous sommes spécialistes en prière. Oui, nous sommes spécialistes en prière. Nous sommes spécialistes à chasser des démons. Mais nous manquons la crainte de Dieu. Si seulement la RDC marche dans la crainte du Seigneur, et que tout sera bien. Et pendant que je priais encore, le Seigneur me montrait ce qui tue notre pays, parce que nous-mêmes les Congolais, nous sommes les ennemis du Congo. Qu'est-ce que je voyais dans mon esprit? Le Seigneur m'a montré une autorité Namboka qui est générale à Zakota Estewana. Il est en train de collaborer avec nos ennemis pour détruire Est. Alors je parle sur tout le monde. Toi qui es ennemi du chef de l'État, on doit d'abord comprendre une chose. Notre président Félix, que les gens peuvent critiquer aujourd'hui, que les gens peuvent dire de n'importe quoi sur lui, on doit d'abord notifier dans nos têtes, il est une personne que Dieu lui-même a établie. Il est une personne que Dieu lui-même a choisie. Papa Chic, lorsque Dieu choisit quelqu'un, quel que soit tout ce que les diables préparent, quel que soit le piège, selon, va rien faire. Parce que notre président, c'est un choix de Dieu. Ok. Là, je vous annonce déjà, lorsque Dieu m'a parlé même pour 2023, alors j'ai continué et je continuerai à dire, notre président va gagner les élections. Et il y aura élection, il va gagner l'élection. Et vous allez noter même, c'est un président, il est temps maintenant que la RDC doit être conduite par les chrétiens. Je voyais dans mon esprit l'année prochaine, gouvernement est tondi la basse à l'anzame. Alors je vais encourager les pasteurs, les hommes de Dieu, toi qui veux faire la politique, tu faut le faire. Ce n'est pas un péché de faire la politique. C'est permis un pasteur de faire la politique. J'aime en tout cas ces points. Est-ce que c'est permis dans la Bible? Parce que quand on parle de la politique, tout le monde a mensonge, tout le monde a l'oukouta, magouille, tout. C'est ça la politique. Parce que ce qui monte dans la politique, la personne à cause de la pré, il y a cause de n'importe quoi, pour garder pouvoir. Mais comme on a, mon sein en Zambé, mon temps qu'on batte la bampate, à comme pasteur. Il y a mon tour dans parenthèse, appuyez tout, continuez le message. Ok, je vais répondre à cette question. Papa, dans l'Ancien Testament, on parle de David, on parle de Salomon, on parle de Jephthé. Toutes les personnes que vous voyez comme des rois, David était roi, n'est-ce pas? Mais il est aussi classé parmi les prophètes. Il est roi, il est classé parmi les prophètes, il faisait la politique. Tu ne peux pas être roi que Dieu a choisi. Tu ne peux pas être roi sans parler de la politique. La politique, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché quand tu es prêt à tout pour le pouvoir. Ce n'est pas certainement à tout le monde, oh, bah, ça prêt à tout pour faire de n'importe quoi. Les pasteurs qui interdisent la politique. Moi, je ne condamne pas les opinions des gens. Chaque personne a son opinion. Moi, je parle plus de la conviction. Mais quant à moi, je peux dire à ces pasteurs, pourquoi dans nos églises, on a des partenaires de ministres? Tu vas voir un pasteur, il a un partenaire ministre, et abatelakaye, abombakaye bien. Parce que tu sais très bien que derrière ces partenaires, tu auras l'argent. Maintenant, j'ai dit, Papa Chic, jusqu'à quand nos pays, la RDC, doit être toujours gouvernée par les occultistes? Pourquoi nous donnons toujours pouvoir au diable? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de riches, tout le monde glorifie le diable? Jusqu'à quand maintenant la RDC, Jésus-Christ, le christianisme va être imposé au sein de la notoriété du pays? Jusqu'à quand? Parce que lorsqu'on dit toujours que non, occultiste, bah ça là. Si c'était ça, mais Dieu ne voulait pas choisir David. Il était un prophète, Salomon. Il était un homme qui servait Dieu. Tout le monde,
On voit dans la Bible, Daniel, tout le monde, ils étaient dans la petite. Pourquoi Dieu élevait le roi? Pourquoi Dieu a rejeté Saoul? Parce qu'il n'était pas un choix. Le choix, celui qui devait gouverner la royauté, il devait d'abord connaître les dieux d'Israël. Il est temps maintenant qu'il y ait la RDC. Les gens qui doivent gouverner la RDC, ce sont des gens à qui ils doivent connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parfait. Donc, voilà un peu la réponse à cette question. Voilà, pouvons continuer avec le message. C'était quoi la suite? La suite, Dieu me montrait en général. Ok. Malgré ce que je n'ai pas eu, je n'ai pas eu. Mais il y a en tête, il y a collaboré, il n'a pas eu d'ennemis. Il n'y a pas d'un côté, Kamboka, pour donner des pistes. Alors, j'aimerais dire à tout le monde, toi qui veux détruire la RDC, que ce soit le général, que ce soit troupe Nyonso, toute personne au azo usé na corruption pour à détruire, pour à tanguer sa makila, je vous demande de vous repentir. Parce qu'il est temps que Dieu va frapper les ennemis de la RDC. Vous n'avez pas peur de dire ce message à la télé? Non, je n'ai pas peur parce que c'est une recommandation de Dieu. Ok, deuxième point. Peuple de Dieu, Bazelani n'est pas naïo. Voilà. Je dormais, toujours pendant mes périodes de retraite. Je dormais, je vis deux personnes. Deux personnes sont venues. Je ne voyais pas leur tête. Mais tout d'abord, moi, non, mon anaté. C'est un phénomène très bizarre. Mais voilà, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Et directement, Namimoni en deux. Namimoni en deux. Donc ça dit, Moutala Lingayeyo, Ngape on a Telemingapeyeyo. Parfait. Et cette personne-là ne parlait pas. Ces deux personnes ne parlaient pas. Bando Sangaka Abassin. Parce que pendant que je commençais à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, l'obate. Bando Sangaka Abassin. Et pendant que Bando Sangaka Abassin, Babsinga toke hein, par le sin hein, Bachebo toke. Je suis toke na bango. En tout cas, mon spirituel est un monde très compliqué. Toko mika na mir directement to koti. Donc, de mutumont to limo en fait. Et place en haut to kende. To kende place mon boy. Place en haut, il y a deux chambres. Chambre moko na gauche, chambre moko na droite. Parce qu'on a katikati. Il y a chambre wana, et c'est là qu'il a nié mon boy. Nié à pembe, mais mouta zaki na kati. Mais mouta nga zoloba, bat bazo mon a été. Pendant que ces deux personnes, bah, yé koti kanga wana, na simananga, na seconde, il y avait aussi des gens. Ok. Il y avait aussi des gens, oh, bah, zaki na sima, bazoya, bazoya, bazoya. Moi-même, je vais poser des questions, mais, phénomène les anines. Mais nous devons répondre à ça. Parce que chambre Ezaki à gauche, Ezaki chambre moko so ba boaki ba tukuna, ba bazo ganga. Il n'y avait pas la paix. Parce que chambre à droite, c'était une chambre où il y avait vraiment la paix. Mais mutako takikuna zate. Après moi, ba bazo ya liboso na ngape na kutaki batu. Parce que ton na komi place wana. Film nyo so ya vi na ngebimi. Tout mes non passé dans la tout dans sala et bimé et bimé dans un moment dans le roi film et bima et maintenant par après c'est en c'est là que j'ai compris que je n'étais plus en vie. Ok, là je ne savais pas là maintenant mon aura le roi hein tu vois le coup la macanici na moni vie dans la nion donc je te dis nion so nyonso baba ma benyonso na sala na mon avant que mutalo balanga et par après ne ko tala na sima batu bazoya c'est en cela que j'ai compris que nazaik suis na bon moité batu bazoya avant que je parle na continuer je me redire n'attendons pas la mort pour demander pardon. N'attendons pas la mort pour ses répentures. Papa Chic, n'est-ce pas que je suis en train de me faire?
ndeto pe mande bat bakufaka. Bat bazou yana si mananga, il venait de temps en autre. Ce qu'on a comme il y a pas si, parce que, bato bazo kote, au lieu bako ta la chambre à droite, oh ya kimia, bango bazo kote na kata chambre à gauche, oh bat bazo lela. Et lorsque mon tour était arrivé, la voix qui nous parlait, mais on le voyait pas. Lorsque mon tour était arrivé, j'ai écouté cette voix était en train de me parler. Alobi na Yesu awa pona banda ko expliquer au makambo. Na banda ko expliquer, j'étais en train d'écouter ce que cette voix était en train de m'expliquer. Abandi ko yebisanga ina ibisabatu tout. Il revient bientôt, il s'appelle Jésus. Les gens doivent se repentir. Les gens doivent batambola na ko banga ye. C'est ce que cette voix était en train de me dire. Pendant que la voix était en train de me parler, la voix était tellement puissante. Il m'a dit, je m'appelle Jésus-Christ. Il faut dire à tout le monde de vouloir se repentir. Alors, je profite de ce message pour dire à tout le monde. Je sais très bien que Tozo Sepela 2023, c'est bien. On peut tout gagner sur la terre. L'argent, on peut en avoir. Les succès, on peut en avoir. Le véhicule, tout ce qu'on peut chercher, on peut en avoir. Mais lorsque nous perdons notre âme, c'est très compliqué. Le message que Dieu m'a donné, batuba tambula na ko bangaye, batuba zalawana na sama kolonaye, c'est après il m'a dit, na zongi siyo, po ki koye bisapel penanga, batambula na ko banganga, parce que je reviens bientôt. Voilà wow. Le message. Waouh. C'est très, très, très profond. Alors, je pense qu'il y a encore troisième message. Bien, on est... Pour les hommes de Dieu. Ah, d'accord. Fini et puis on commence l'émission. Hein. Il faut que je puisse poser aussi des questions. Hein. Alors, vas-y. Alors, pour les hommes de Dieu, c'est toujours la même voix. Il était en train de me parler. Qu'est-ce que je voyais? Namoni... sirène moko. Des wana azui amemi ebembe ya mwana mwasi. Il y avait une fille qui était morte. Et maintenant, namoni troupe ya basala nzambe belé. Nemi nene ebelé. Ebelé, qu'on peut pas citer le nom parce que misusu na yebaki bango. Misusu na yebaki na bango te. Sikoyo, moi j'étais comme au coin, j'étais en train de regarder. Troupe ya basala nzamba na nyonso. So ba ke pa sirène wana, bazo bezeye na bague à l'attaque. Parce que la sirène, la déesse, détenait une bague. Bazo bezeye. Chaque homme de Dieu soyez à Fukami, a bezeye. Maintenant, et bembe ya mwana mwasi wana ezaki ka wana na se. Directement, tout le monde le faisait. Moi, j'étais en train de regarder parce qu'il y avait d'autres que je voyais. Alors, Nayoki directement kake banzo beta. Il y avait une voix qui sortait du ciel. Cette voix commençait à parler. Il a commencé à me dire, tu vois, ebemba moi la moi sur wa nozo mon ebembe, c'est l'église. Ok. Abi, c'est l'église. C'est l'église. L'église est détruite. Aujourd'hui, Batebele ba sale nzambe bele ba kotina kis. Il commence à détruire le peuple de Dieu. Ba sali ba alliance na sirène. Est-ce que oh mon yakufi wana lali wana c'est l'église. À chaque fois que bazo sala ba pacte na ba monde ya ténèbres, sache bien que bazo détruit l'église. Mais ma colère s'est levée. 2023, il y aura trois grands hommes de Dieu. Trois grands hommes de Dieu oh ba okufa. Si seulement si, bah, se repentir te. Il commençait à me dire encore, et ça n'a pas ça, la nzambe belé, bah, so sacrifié, bah, fidèle, na bango. Tika boy. Oui. Bah, so sacrifié, bah, fidèle. Sans qu'il bah, fidèle, bah, yéba. Parce que, na moni, bah, so salat, pacte, so bah, yéba, baiser des wana. Et des wana, so singa, bah, sacrifice. Alors, peuple de Dieu, écoute-moi. Soyez prudents, le temps est mauvais. Papa, chez moi, quand je dis à mes enfants à l'église, naïf sa bango, le romanga a bangaté.
Je leur dis toujours, kota prière, à ta trois jours, keko luke ta dame, ya prophétesse Dina Swazanan. Alors, je te demande aussi, na yo mouto landanga. Tozan a t'es un sentimenté. Tozan a tenté parce que, miracle zali. Non. On va pas aimer la prophétesse Dina parce qu'elle a passé un message à Tchalamoua. Voilà. Non. Ce n'est pas la prophétie qui nous fait prophète. Nous sommes dans un mauvais temps. Mauvais temps. Il faut connaître l'état de nos pasteurs. Je suis pas contre les pasteurs, mais nga mouna lobiango. Même nga. Et ça n'a pas n'a bon landanga. Même dans mon église, j'ai dit, kota priya ou kotuna. Mais maman prophétesse ou nanga se confie. Aza la nzamba solo. Toi, je fous comme la déesse. Voilà. Donc voilà le message. Merci, la prophétesse. Mayolobi, c'est très important. La bandi, peuple de Dieu, bayoki. Message na yo pesi. Nzamba bate la biso. Mais nayango, tokomi na souka, y a émission. Ndenge, bato basengaki, osambe la bango, na otike lo plateau. Comme ça, osambe la peuple de Dieu. Ngai na lobi, merci, mingi. Naba oyo mbazwa ki libako ota la biso na chebiso télévision. Merci na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth. OK. Peuple du Seigneur, na liboso na bino, en ces moments ici pour vous parler de quelque chose et de prendre le temps de prier pour vous. C'est l'embossenga na bino. Alors la Bible na biso lobina Romains chapitre 8 le verset 1. Il y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dois noter une chose. Depuis que Yesu akota na kata vie na yo, nous avons l'assurance. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir peur des lois établies de nos familles. On ne peut pas avoir peur de cérémonies qui s'est fait. Il y a un Jésus-Christ à la croix où il a cloué nos malédictions. Il a tout fait, il a tout accompli. Alors je vais maintenant prier pour toi qui es malade. Je viens déclarer parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Je viens déclarer, prophétiser pour quelqu'un qui est malade en ce moment. Je prie que mon Dieu te donne la guérison instantanée au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour une femme qui est stérile. La Bible dit dans nos pays, il y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je déclare pour toi, maman, touche même ton ventre. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te donne de jumeaux. Que Dieu te donne des enfants. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui avait un problème de la stérilité et fini comme ça. Alors je suis en train de prier pour toi qui es chômeur, toi qui manques du travail. Je sais une chose, la Bible dit l'homme mangera dans la sueur de son front. Je déclare au nom de Jésus, là où tu as introduit tes CV, là où tu as introduit tes dossiers, je prie que l'Éternel touche le directeur. Alors je prie pour toi qui as les problèmes des documents en Europe, que Dieu te donne les documents. Pour toi, ma sœur qui a un problème de mariage, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus, je proclame la victoire en 2023. 2023 est béni, aucune mort sera ton partage. Je profite pour t'inviter ce 26 janvier 2023. Toi qui es à Kinshasa, je suis en train d'organiser une prière spéciale de nommer délivrons la RDC. Nous serons là comme thème, l'Éternel combattra pour la RDC. Ce sera une prière spéciale. Même toi qui ne prie pas à l'église au REB, viens le 26 janvier de 9h30 à 13h. Nous allons prier pour notre Congo, prier pour la RDC. Que le Seigneur te bénisse. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là à tout moment. Alors, j'aimerais dire, nous avons toujours notre programme spécial que nous le faisons chaque jeudi de 9h30 à 12h. Toi qui es à Kinshasa, il faut participer à ces programmes. Même toi qui es de loin, participe à une retraite que nous commençons ce soir dans ma chaîne YouTube. Abonne-toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, j'aimerais rappeler mon numéro de téléphone. 00-243-82-429-1441. 82-429-1441. Que Dieu bénisse. Yaya, papa, maman, frères et sœurs, nous avons bonne foi. Nous avons passé de la foi l'équilibre. Sopé, Yaya, pour nous avoir une Topé, moi, n'a pas eu maman. Topé, pasteur, son n'a pas eu cause là. Topé, évangéliste, c'est pour nous. N'a signé, n'a pas eu. N'a eu cabinet, papa, chic.
Papa, nzambo sambila Yesu masiye na zeta zolo. Yesu zolo kumu selma pourquoi? Po na pesa ki opportunité opambula orfele po nzamba kota ni kamuno na bana. Kuna ngai, uza kongole ulinga kamboka ola. Ulinga kabana. Orfelina fida ezobe ngayo. Tango zi mwa muke, yo kolia yo kofete na bana. Kanisi la pipa. Mutu wazana mte mamawa. Uya zana bozwi. Ate ya mukie tosunga orfelina fida na $1 pamba. Bana balia, bala la bien, bame la bien. Nzambe nanga, neya yo, apambo la biso nyoso. Bana mokili mobili mato souteni. Bana nakati ya orfelina fida. Na $1 ya pamba nzambe ya kupambu la yu. Ako zongisi la yu ebele, kona nini oyeko souteni borfele. Na $1 na yo, na $1 na biso. Atuka, eko liesa bana bitike. Oba fete na December oyu. Orfelina vida, baza na posa na biso. Nenge bana biso ba vivra na ndako, nenge pe bana ya vida, ifo ba vivu. Yo mto yo garama. Parce que jusqu'à là, bah, Thomas, bah, si là, $1 seulement. Franc congolais, nous en avons pas qu'à 2000 francs pour la ressource. Bah, orphelin, bah, fêté, bonne année, netikaka, bananioso, au bazar Wanda pour ma part. Ce qui te sent, bah, tu es belle, n'a pas $1 n'a plus saut. Vie à Banawana. Alors, ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas en train de se récompenser. Orphelina vida, bazan a posé la vie. Orphelina vida, ils ont une structure où ils ont une cabane à pitié. Bon, le coup de la fête, il y a Noël, une bonne année, et comme ils ont fait, ils ont fait la vie. Ils ont monté ma malamou, monté ma bolingo, monté ma bonzambé. Au pescaka $1. $1 pour nous permettre de faire un peu de temps, de faire un peu de temps, de faire un peu de temps.